les gens, ici c'est Shadow Warrior, surtout aujourd'hui pour l'épisode numéro 3 sur Bioshock. Premier du nom. Et je venais de récupérer ça. Oula, petit lag sympathique. Je sais qu'il y a une meuf qui était juste là. Voilà. J'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va nickel. Mis à part que je crève littéralement de chaud, mais c'est pas très grave. Ah, c'est vrai que j'ai la télékinésie et j'ai les arcs électriques. Ben non, il n'y a personne. J'avais entendu quelqu'un, mais en fait, non. Dépensement, je prends. Hop. Alors, ça fait un petit moment que j'ai pas joué, donc forcément. Puisque là, je suis en train de tourner alors que je viens seulement de publier l'épisode 2. J'ai lancé l'épisode 2. À l'heure là. D'accord, ok, je me suis planté, c'est pas très grave. Ouais, elle a l'air d'aller un peu plus vite celle-là, donc voilà, je vous parle tout en même temps, hein. C'est pas très grave. Ah oui, elle va même beaucoup plus vite, j'ai envie de dire. Papipan. Hop, hop. Toc. Il m'en faudrait un tout droit, s'il vous plaît. Voilà. Et voilà. Bref, un coffre. Les coffres, c'est super. Hein. Il y a un taquet de trucs dedans. D'accord, donc je suis à moitié plein pour les trousses de soins. Hop, j'en utilise une. J'en reprends une. Ok. Ça, j'ai déjà fait. Ça, j'ai déjà fait. Ok, on a la télékinésie. On va pouvoir se casser. Et donc, aller voir le monsieur. Comment on fait pour sauter? Comme ça. Je sais même plus jouer, mon dieu, c'est catastrophique. Ils étaient tous là, les corps, là. Vous êtes sûr? Ouais, c'est vrai que... Je me suis pas fait tirer dessus. Je sais même plus comment on se... Voilà, comme ça. Forcément, c'est fermé ici. Alors... Il n'y avait pas eu moyen de gérer ça. D'accord, t'as la machine en train de me plomber. C'est pas très grave, voilà. On va juste s'en aller. J'essaie de courir comme un dératé, mais en fait je peux même plus courir. Je suis perdu avec ces contrôles, hein. Je vous l'avoue. Ça j'ai fait. Ça, de toute façon, c'est fermé. Ça, j'ai cassé tout à l'heure. Ok, bon, bah, on va retourner voir notre cher ami lanceur de grenades. Ça, ça s'ouvre. Oh, ça s'ouvre. Et des choses intéressantes. D'accord, ouais. On va juste faire ça très rapidement. La pirater. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Je ne sais plus, je ne sais plus. C'est pas très grave. J'espère que vous, vous survivez en cette chaleur complètement apocalyptique. Ça c'est bon, ça c'est bon. Et ça c'est bon, voilà. Personnellement, j'ai dû arrêter le ventilateur pour paniquer la vidéo avec le son. Mais bon. Je le remettrai dès la fin de. Oula. Vas-y, bute-le, s'il te plaît. Merci. Enregistreuse, hop, je récupère. Là, il y a des balles, on récupère. Ah, c'est bon. D'accord, je me suis défoncé la vie. Ouais, c'est dommage que les tourelles nous font aussi mal à nous. Mais bon, elles me tirent pas trop dessus directement, ça va encore. Hop. Il y a une caméra dans le coin, faut que je fasse attention. Alors. Non, je voulais prendre la clé anglaise. Hop, voilà. Hop. Toi t'es mort, je prends tout ce qu'il y a par terre. Qu'est-ce donc alors? Maître de mêlée. D'accord, donc faut savoir dans le jeu qu'on à la part les plasmides, on a plein de... En fait, il y a plein d'autres trucs à côté qui fortifient. Donc on a des fortifiants. Là, plus de dégâts.
Ce son est très très fort. Je sais pas si. Pourtant, j'ai pas mis très fort. Oh, des chevrotines. C'est super. Hop, ça c'est bon. Hop, on prend les pansements. Purée, je me suis encore mis de la vie. Je sais pas pourquoi j'ai envie de me baisser avec Ron. Wow, wow, wow. Dans ta face. Coucou. Grosse brute. Ça c'est une grosse brute, mon dieu. Ok, là c'est là d'où je viens. Alors la caméra. La caméra est juste là, ok. On va juste fouiller l'armoire. Juste voir ce qu'il y a en fait. Une seringue derrière à récupérer. Eh, un coffre à pirater en toute sécurité, ok. Je vais utiliser un auto-piratage parce que vu la difficulté du coffre. Ok, pas mal de balles, c'est intéressant. Ça, on récupère. Par contre, là, du coup, on va se remettre un petit peu. On laisse ça. Et on va juste, voilà, la neutraliser le temps qu'on s'en aille. Comme ça, on peut se barrer en toute tranquillité. Ça, c'est fait. Ça, on récupère. Oups. J'avais pas vu qu'elle regardait jusque-là. C'est bon. Ça finit de regarder. Je peux récupérer. Hop, c'est bon. On y va. Pipam, pilam, pam, pam, pilam. Je prends les pansements. J'ai quand même l'impression d'être vachement lent. À frapper un protecteur, vous inquiétez pas, les protecteurs on va normalement s'en faire un bientôt pour votre plus grand plaisir, pas pour le mien hein, parce que je vais galérer comme un porc, c'est tout. Ah, vas-y, donne moi ça. Allez, hey machin. Oh putain, je l'avais pas vu. Bidule, balance-moi des trucs, allez! S'il vous plaît, monsieur! Mais. Oui, ben, donne-moi des grenades, voilà! Merci bien! Voilà, tu peux m'ordonner? Merci! Allez, pour toi! Cadeau! T'en as encore? Oh, c'est gentil! Tellement aimable de ta part de te suicider! T'es encore en vie? Ah bah alors on va te finir hein. Oula, vous êtes bug. Ah ouais, tu m'étonnes. Hop, et voilà. Hop. Ça on a pas besoin. Oh, c'était un bouc cadavre. Hop, on va reprendre les arcs électriques. Waouh. Ouais quand même. T'es moche. Tiens, on va écouter le monsieur ce qu'il dit. Hein. J'ai déjeuné avec monsieur Steinmein. Steinmein, m'a-t-il dit. Je suis venu vous affranchir de la servitude de la médiocrité. Je suis venu vous montrer une nouvelle forme de beauté. De quelle beauté s'agit-il? Yes, lui ai-je demandé. La symétrie, mon bon Steinmein. Il est temps de faire quelque chose. Est-ce que je peux lui prendre, genre? Oui, je peux lui prendre. Quelque chose de fort intéressant de voler les choses. Hop. De toute façon, ici, c'est une ville de débandade, alors autant tout voler. Enfin, voler, là, c'est plus piratage. Quelle belle connerie j'ai fait. Voilà, c'est ça qu'il me faut. Ensuite, il me faut un comme ça. Et voilà. Je vais essayer de faire le moins possible de choses comme ça, mais bon. Allez. Allez, quand même. Hop. Ouais, celle-là, on va la déglinguer. Ah, putain, je me suis fait trop mal, là. Mon dieu, mon dieu. C'est quoi, ça? Un nouveau fortifiant. Alors, décharge statique. Ok, merci bien. Si vous avez pas eu le temps de lire, c'était... À mon avis, vous avez pas eu le temps de lire.
Ça permettait donc de, quand je me prends un coup, de d'envoyer une onde de choc électrique en fait, tout simplement. Une espèce de protection qui repousse quoi. Oula oula. Ok. Ok, ça, elle va être trop chiante, je sens celle-là. Et voilà. Ça, c'est fait. Vu la difficulté du piratage, je ne vais pas le faire. Parce que déjà, j'ai au moins une chance sur deux de le rater. Si je trouve un autre piratage automatique, par contre, je le ferai. Avec plaisir. Ok. Allez, fais péter le truc. Aphrodite arpente les couloirs, luisante comme un scalpel. À la scie, normal. Chirurgie esthétique à la scie, y'a que ça de vrai. Ce que vous cherchez, je peux vous le donner. Il vous suffit d'ouvrir les yeux. Et lorsque je la vois, elle me découpe en milliers de splendides morceaux de chair. Je comprends pas tout, mais pas tout ce qu'il dit. Mais il dit des choses un peu. Ah, d'accord, ok. Je vois, je vois. On va juste récupérer ça vite fait. Et nous allons prendre une arme descente. Enfin, descente. Pour le descendre. Que dois-je faire de celle-ci, Aphrodite ? Voilà. Elle ne reste pas en place. Je veux les rendre plus belles, mais c'est toujours un échec. Vous voyez, la chirurgie esthétique, c'est le mal. Grande, une autre pour aussi maîtrise. Et à présent. Ah ouais, quand même. Il est laid. Il est hideux. Hideux. D'accord. Donc, on va se le faire. Allez, go. Tiens. Le paralyse un petit coup, voilà. Ah purée. Je vais pas arrêter de bouger s'il te plaît. Allez, recharge. Tiens. Heureusement que j'ai pris le robot, au moins ça l'occupe. Malheureusement je n'ai pas de d'anti-personnel. Vous savez quoi? Je vais prendre ma super Gatling, que je ne me sers absolument jamais. Ah non, mon petit, tu vas pas te régénérer. Oh. Eh ben si, c'est soigné. Le sale bâtard. Il est où? Où tu es? Il est là. D'accord, donc va falloir que je fasse attention. Mais j'ai pas des anti-personnels. J'ai deux anti-personnels, ça va être super pratique. Voilà, surtout que je les ai loupés en plus. Mais si je peux créer comme à les rater. Hein. Ok, on va se prendre un petit peu de télékinésie. On va lui prendre une petite bonbonne. Bon, ça lui a pas fait grand chose, mais bon. Prenons un peu de flingue, tiens. Pas d'anti-personnel sur celle-là. Oh non, mon petit. C'était très con de ma part. C'est pas très grave. Mais non, mais. Je fais d'énormes conneries, cher Jean. Purée, mais. En fait, j'aurais dû penser à pirater le truc directement à la base. Voilà. Ça, c'est fait. Tout va bien là-bas. Il était temps que quelqu'un s'occupe de cette. Oui. Putain. Je suis moi-même en train de me diriger vers l'arrière de Port Neptune. Nous y serons bien assez. Phew.
Comment galérer pendant des heures pour rien? Non, sérieusement, en fait, j'aurais dû neutraliser dès que je pouvais son truc de soin là, mais mon dieu, je sais pas pourquoi j'ai pas pensé dès le départ. Très bête de ma part, hein, vu le résultat. Allez, on va lui piquer un peu d'affaires parce que j'en ai besoin vu le carnage que je viens de faire. Des munitions, je suis dégoûté. Attends, il y a des trucs par terre là, mais. Voilà, ça c'est bon. Maintenant, on se barre. Juste après avoir fouillé vite fait tout ce qu'il y a là. Ça ressemble à peu près à une morgue, hein, ici. Hein. Des munitions perforantes. Des pansements, une trousse de soins. Tout le tralala. Ça fait plaisir, ça fait plaisir. T'as ma pauvre. T'as ma deuxième pauvre, quoi. T'as pris trop cher. On s'en va, on s'en va, on s'en va. On se casse rousse, on se casse rousse. Alors, où doit-on aller? D'accord. D'accord, c'était pas ça que je voulais faire. À la base, je voulais faire ça. Et maintenant. Je vais peut-être pas aller corps à corps. Hein. Bon, bah si, ça marche. Ah non, je les ai. Ah oui, je les ai tellement déglingués que genre j'avais même pas besoin de les taper quoi. C'est. Orgie quoi. Orgie dans l'électricité. Je connaissais pas. D'accord, alors on va juste récupérer. Ceci. Ensuite, il me faut des balles de pistolet. Tout le reste, c'est à peu près bon. Je me suis vidé de mon fric hein, complètement là. Wow. Bien, le royaume de la rouille et de la ferraille. D'accord. Moi je croyais que ça tenait plutôt bien. Merde, wow, wow. D'accord, on va aller par là. C'est une petite fer. C'est l'occasion pour vous d'obtenir un peu d'adam. Quoi? Ah putain, le Big Daddy qu'on a vu tout à l'heure, il est mort. Ah mon dieu. D'accord, donc là on va avancer. La sieste, petite sœur. Il n'y a que toi, moi, et que je peux boire. Ne t'approche pas, sinon ce sera toi le prochain. Du calme, docteur. Il ne fait que chercher. Tenenbaum. Juste de quoi tenir le coup. Je ne le laisserai pas faire de mal à mes petites protégées. Tout va bien, l'ami. Ce n'est plus une petite fille. Plus comme avant. Le docteur Tenenbaum s'est occupé d'elle. Peter, ne lui fais pas de mal. N'as-tu donc pas de cœur? Pas de cœur? Voyez-vous ça? Bitte? C'est le monstre qui ah, c'est une allemande. Ces infâmes machines inhumaines qui nous dit ça? C'est vous qui avez pris de jolies fillettes pour les transformer ainsi. Écoutez-moi bien, vous ne survivrez pas sans la dent que ces choses transportent. Voulez-vous vraiment mettre votre vie, celle de ma femme et de mes enfants dans la balance pour épargner les monstres inventés par Tenenbaum? Il y a un autre moyen. Utilise ceci. Libère-les de leur souffrance. Je trouverai un moyen de te dédommager. Et comme je suis un gentil, même si on dirait pas, hein, mais si si, je tue des gens depuis tout à l'heure, mais je suis un gentil, je vous le rassure. Pas un truc derrière ça. D'accord, ok, c'est pour après. Je suis un gentil et c'est beaucoup plus rentable, vous verrez par la suite, de sauver en fait les petites sœurs. Puisqu'on peut soit les tuer et voilà, on peut soit sauver la petite sœur ou récolter son Adam. C'est-à-dire que si on la récolte, eh ben, on aura un maximum d'Adam à ce moment-là. Mais par la suite, en fait, si on soigne les petites filles, on verra par la suite qu'on en aura beaucoup plus, avec beaucoup plus d'avantages. Donc si vous la sauvez, vous aurez moins d'Adam, mais Tenenbaum a profité de vous dédommager. Donc Tenenbaum, c'est celle qui a créé les petites sœurs. Donc on a le choix entre récolter, qui se termine par l'arrachage d'une espèce de truc bizarre, une espèce de limace en fait, et la sauver. Et nous on est gentils, et on va la sauver. Parce qu'on est des petits gens, on est gentils avec les petites filles. Oui, j'essaie le Faber là. Merci, merci. La voix du juste est semée d'embûches. Oui, la voix un peu chelou, je sais. Tenenbaum.
bombe vous fait marcher. Ces créatures ressemblent à des fillettes inoffensives, mais ne vous fiez pas aux apparences. Vous devez récupérer le plus d'adam possible. C'est une question de survie. Si vous croisez à nouveau le chemin d'un jardin mécaneuse, tâchez d'acquérir un... Mais on survit. Si le prix reste raisonnable, bien sûr. Et voilà. Le jardin des glaneux, c'est ici. C'est là où on peut acheter tous les nouveaux plasmides fortifiants et trucs comme ça. Hop. Voyons voir ce qu'il y a. Donc là, j'ai la petite fiole qu'on voit à droite, c'est là-dedans que j'ai récupéré. Donc là, j'en ai 80. Sachant qu'il me semble qu'on en récupère 200, je crois, si on... Non, pas 200. Moins que ça, je ne sais plus exactement. Mais on récupère de plus d'adam, forcément, si on a tué la petite sœur. Alors... Trousse de soins, restaure aussi de lève, augmente votre santé maximum, augmente votre rêve maximum. Et là j'ai 80 donc je peux acheter qu'une seule amélioration si je veux prendre de la santé, ou je peux en prendre deux si je prends un réduit les dégâts physiques. Et les trousses de soins, restaure aussi de lève. Personnellement, vu la santé que je me tape à chaque fois, je vais prendre l'amélioration de santé. Et ça fait plaisir. Voilà, donc là j'en ai plus. Mais de toute façon, j'ai envie de vous montrer la bonne fin, on va dire. Les grands seront pas humiliés par les petits. Ah oui, c'est ce qu'il avait dit. Je vais juste... Non, d'accord. Okay, je vais juste avancer, voir ce qu'il y avait. Trousse de soins au maximum. Et... Comme il y a des gens après, nous allons nous arrêter ici. Bonne des petits chenapins. Et donc vous voyez en bas les icônes, par exemple, on en a un avec une petite fille sauvée. Sachant que quand on la tue, l'icône devient pas une tête de mort, mais on voit la petite fille mal en point. Et donc les icônes normales, les premières qu'on voit là, celui qui est à gauche, c'est quand il reste une petite fille à trouver dans un niveau. Et donc on va s'arrêter ici, et je vous dis donc à la semaine prochaine pour l'épisode 4 sur BioShock, et on va continuer notre petite histoire afin de sauver la famille d'Atlas qui veut nous aider à sortir de ce cauchemar. Allez, salut, salut à tous. J'arrête un écran portant la mention play again.